Pluie de cœur sur la vidéo. Pluie de cœur. Les cœurs et les partages instantanément. Voilà. Hein?
Hein? Kouzou Laurent Gbagbo, c'est génie. Merci beaucoup d'être là. Pluie de cœur, j'ai dit. Faut pas, on va couper. Hein. Voilà, ça m'arrive trop. Faut pas, le direct va être coupé et puis je vais avoir à recommencer. Appuyez seulement les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime. Vous partagez tout de suite. Voilà. Comme ça, le direct ne va pas être coupé. Les gens, ils arrivent. Et puis, on écoute la jambouette ce soir. Voilà. Alexa. OK. Stop. On va parler ce soir, les amis. Mettez les cœurs seulement. Même avant que je commence à vous appuyer seulement. Ça va couper votre doigt. Voilà. Et puis, vous partagez dans les groupes. Vous invitez les amis. Vous, ça dit, vous allez en inbox dans tous les réseaux sociaux. Voilà. WhatsApp, vous partez dans tous vos groupes. Vous dites, c'est la jambouette qui est en direct ce soir là. Venez, on va écouter ce qu'elle va dire. Voilà. Donc, le thème de mon débat ce soir, c'est le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui est en danger. Mais avant quand même de commencer le thème rapidement, je salue toujours les premières personnes qui s'affichent. D'accord? Yao, Karim, Yao. Yabo, Karim, Yao, soit salué. Pas comme Tia, soit salué. Affichez-vous rapidement. Et ceux qui s'affichent que je salue là, vous cliquez sur partage en même temps. Hein? Voilà. Et vous continuez de mettre les cœurs. Silzré, Siloué, oui, soit salué, grand combattant du Nord. Oui, ça c'est mon frère Corogolais, on se suit de près. Voilà, que Dieu te bénisse. Mettez les cœurs. Ceux qui sont sur le terrain là-bas qui ne peuvent pas partager, c'est pas grave, mais mettez les cœurs. Vous pouvez aussi partager en inbox. Voilà. Irénée Oulahi, soit salué. Annick Patricia Gobois, soit salué. Voilà. Silzré, je t'ai déjà salué. Draman Ouattara, dégage, qui est présent à ton poste. Je te fais un gros big up. Afrique d'abord, mon partenaire. Enfin, nous on ne dit plus partenaire. On dit la famille. Voilà, chez nous là, c'est la famille. Voilà, Afrique d'abord, c'est la famille. Voilà, toi tu es mon ami cyberactiviste. On a la même façon de voir les choses. Très bien. Je te fais un gros bisou. Lydia Févlor, Begré Prince Touré, Lydia Flevor encore, Olivier Daon, voilà. Je peux commencer sous les manceaux, voilà. Je vous dis, affichez-vous, commentez, mettez coucou et mettez les cœurs. Zombrot va dire votre nom. Aloa Touré, voilà. Yobo, Karine, Yao, je te fais un gros bisou. Et je salue tous les anges. Mes anges, ils se connaissent, hein. Il y a Léandre Poy, il y a Valérie Onozolé, il y a Valérie Boyer. Voilà, mes anges, ils se connaissent. Hein. Voilà, il y a chose là, Lisa Sdezé, il y a Adé Zagadou, il y a aussi ma jolie biche là. Mais pourquoi son nom ne me vient pas dans la tête? Bon, c'est mon ange. Quand ton nom va arriver, je vais te dire ça tout à l'heure. Voilà, j'embrasse toutes les ombrettes aussi. Voilà, Adé Zagadou. J'embrasse toutes les ombrettes de Gbagbo Victoire. Voilà, vous êtes nombreuses, hein, mais j'avais pas prévu. La prochaine fois, je vais vraiment lister vos noms et puis je vais vous remercier. Je vous dis bravo, big up à vous. Voilà, on s'appelle en inbox, on se soutient, on se donne des conseils. Et vous, les followers, vous qui me connaissez, je vous dis merci. Vous qui ne me connaissez pas, je vous dis bravo. Vous êtes pas de... Voilà, vous savez qui dit quoi sur la toile. Qui est normal, qui est net, qui sait ce qu'il veut, qui sait qui est venu chercher quoi sur la toile. Vous êtes capable et lucide, vous avez tout compris. Aujourd'hui, je vais parler du retour du président Laurent Gbagbo qui est en danger. Pourquoi? Il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de faits marquants. Moi-même déjà, dans mes pressentiments, j'ai toujours dit je ne suis pas prête pour que Opa retourne maintenant parce que je trouvais que ce pays était miné. Déjà, je le disais avant même qu'on confirme sa libération définitive. Certains m'ont écrit pour me dire, mais la zombrotte. Oui, j'ai aussi David. J'ai un ange aussi qui s'appelle David. Donc, si tu es là, présente-toi, je vais te saluer. Voilà, on me disait, mais zombrotte, nous, on veut voir au pas au pays, il faut laisser, il va venir. Quand je fais le direct sur Covid à 11,
J'ai dit c'est dangereux. Le pays est miné. Si le pape peut attendre un peu encore. Mais après, c'est son destin. Chaque être humain a son destin. Il y tient en partie. On va rester en prière pour lui. Quand il va aller, il faut que ses objectifs se réalisent. Il faut que... Parce que chaque être humain a son karma. Chaque être humain a son doigt. Chaque être humain a la main de Dieu sur lui. Chaque être humain a son sceau. Voilà. C'est-à-dire que tu peux être tellement fort, mais arriver s'il y a des gens là, quand tu arrives sur eux là, tu tapes pour toi, tu peux pas. Parce que Dieu est avec eux, il y a Dieu dedans. Donc voilà, le retour du président Laurent Gbagbo est en danger. Pourquoi? Voilà Draman Ouattara, depuis la confirmation de la libération confirmée du président Laurent Gbagbo, de sa libération définitive du président Laurent Gbagbo, de sa libération, hein, c'est-à-dire que cette libération-là qui est irréversible, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de secours, il n'y a plus air, d'accord, Draman Ouattara commence à battre des ailes. Draman Ouattara commence à battre des ailes, oh. Yebo Karim Yao, sois salué. Yao Aminata, sois salué. Augustine Michaud, bisous. Draman Ouattara commence à battre des ailes. Non seulement son plan machiavélique a commencé par... C'est-à-dire qu'il a le goût du pouvoir. Quelqu'un qui veut rester au pouvoir à vie. C'est une pathologie psychiatrique. Je vais demander à ma régie de me sortir le nom. Quelqu'un qui a le goût du pouvoir, qui veut rester au pouvoir à vie, là, ça va me revenir, mais je demande à ma régie de taper, me sortir le nom tout à l'heure, et je reviendrai dessus. On appelle ça la boulimie du pouvoir. C'est un nom psychiatrique. Donc, Draman Ouattara va mettre en place un scénario. Un scénario, mais qui est risible. Oui, le terrain est miné, mon frère. Draman Ouattara, il met en place un scénario risible comme à son habitude. Voilà. Parce que par amitié, quelqu'un a accepté de bombarder ton frère noir pour te mettre sur le banc, par amitié, par affinité. Nicolas Sarkozy, c'est pas caché, il a dit hein, que lui et Draman Ouattara, ils ont une amitié très forte. Voilà, ils ont des liens familiaux. Bref, ça, on a déjà parlé de ça. Parce que quelqu'un par amitié... Tu as réussi à le caresser dans le sens du poil. Tu as réussi à plus lui donner. Il t'a fait marier avec Jézabel Claudine. D'accord? Et donc, tu penses que tout est permis. Cette personne-là est infaillible. Voilà maintenant Draman Ouattara qui se croit le dieu, le roi en Côte d'Ivoire. Il décide d'envoyer le président Koudou Laurent Gbagbo avec la bénédiction de Draman, de l'opinion internationale et de Nicolas Sarkozy. Mais Laurent Gbagbo les a vécus. Ça, on vient de le vivre là, en plein 2021. Mais comme le monsieur, il manque de stratégie. Quand tu n'es pas vrai, et puis tu mens, tes yeux brillent, ça se voit. Quand tu n'es pas vrai, et puis tu parles, ça se voit. Mais lui, c'est même pas qu'il n'est pas vrai, il est mythomane, c'est un trouble psychiatrique grave. C'est une pathologie psychiatrique incurable. C'est une pathologie psychiatrique irréversible. Le mec, il est doté d'une perversion et d'une mythomanie à outrance, incroyable, incurable. Voilà. Nous avons affaire à un malade mental qui est à la tête de notre pays. Mais ce malade mental-là, voilà, il manque d'ingéniosité parce qu'on pense qu'il est fort. Pourtant, des détails près. Un enfant de 2 ans même va voir ça, il va rigoler, voilà. Donc, Alassane Draman Ouattara, depuis la libération du président Laurent Gbagbo, va mettre en place des plans risibles. Il va mettre en place des plans machiavéliques, non seulement machiavéliques, mais risibles. Koudou Laurent Gbagbo doit rentrer. Ils ont sorti un plan A. Que non, s'il rentre là, il va quand même aller payer les 20 années de prison parce qu'il aurait bradé BCAO. On est sorti ici pour leur expliquer que le cas de BCAO a été le premier cas qui a été traité à la CPI. Il faut le voir, tu dis, c'est le phénomène d'hybride. C'est ça, c'est le phénomène d'hybride. C'est hybride. C'est le phénomène d'hybride. Merci beaucoup. Donc, en fait, le cas de BCAO, là, ça a été, ça dit que quand on attrape un chef d'État africain, comme on sait que les chefs d'État africains, là, c'est les spécialistes,
hein, dans la marmaille, c'est les spécialistes à prendre l'argent du peuple pour eux, dans leur poche et leur famille. La première des choses qu'ils ont regardé chez Koudou Laurent Gbagbo Alaye, c'était de savoir, de connaître ses avoirs, de voir au niveau trésorerie, de savoir au niveau économie, de savoir épargne, de savoir au niveau des bourses, qu'est-ce qu'il a fait dans ses réalisations. Ils ont regardé. Et il n'y a aucun président africain dans le monde entier qui n'a construit aucun F2 en Europe. Qui n'a pas fait ça. Il n'y en a pas. C'est Koudou Laurent Gbagbo. Il est le seul. Vous allez fouiller dans le monde entier un président africain, hein, qui ruine son peuple, hein, qui prend des crédits à outrance, hein, qui s'enrichit pour lui et sa famille, qui n'a pas de F1 en Europe, partout dans le monde entier là. Il y a une seule personne, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il y a une seule personne. Et cette personne-là s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est le nom du monsieur. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il est le seul. Il n'a pas d'F2. Il n'a pas de studio. Même pas quelque part en Belgique. Même pas quelque part en Sri Lanka. Même pas quelque part. Hein? Il est le seul. Donc, le cas BCAO a été le cas qui a été traité de fond en comble à la CPI. Et c'est pour ça qu'ils ont désigné le président Laurent Gbagbo indigent. Donc, regardez comment Alassane Dramane Ouattara est dupe encore. Tu as incriminé quelqu'un de toutes sortes de crimes, de toutes sortes de sortilèges. La personne est sortie indemne et le juge dit que il y a carence extraordinaire de preuves. Depuis que lui-même il est juge là, il n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement manque de preuves, absence de preuves. Vous voyez? Tellement les preuves sont inexistantes là. C'est exceptionnellement inexistant. Il y a carence de preuves. Et Dramane Abidjan ose ouvrir sa bouche pour dire que quand le président va rentrer, il va aller payer une peine de prison pour une histoire de casse de BCAO. J'ai déjà fait un direct dessus pour dire les casse, la casse de BCAO, là, les milliards. Là. Le président Laurent Gbagbo, il a mis ça où? Il a écrasé ça pour se soigner de façon indigène. Les milliards, là, il les a mis dans quel trou et puis depuis, les rongeurs ne sont pas venus manger ça. Puisque son fils Michel Abidjan, même là, vous regardez son portable, là, même là, vraiment le portable de ma fille est encore plus performant que ça. Hein? Ces jumelles-là, même là, elles sont discrètes jusqu'à demain. Hein? Donc là encore, voilà un cas triste. Hein? Ils veulent toujours empêcher le président de rentrer par les menaces de prison du secteur de BCAO, qui est risible. Et dernièrement, là, comme on est sorti sur eux pour leur dire que vous vous êtes planté, mais complètement planté, parce que le président est libéré et que la CPI a dit, partout où il ira dans le monde entier, il est libre de tout mouvement et qu'il ne doit piger aucune peine de prison. Ah, ils ont laissé BCAO maintenant. Ils sont partis attraper l'autre plan. Bon, s'il vient là, il va se repentir. Tu es Dieu? C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara, il a laissé plan A de BCAO là parce qu'il a vu que c'est mort. Il a dit, bon, de toutes les façons, quand il va rentrer, il aura tous les avantages d'un ex-chef d'État parce qu'il n'avait plus d'arguments. Ce plan A, là, encore, est grillé. Ils ont cherché un autre plan de CP1. Plan de CP1, là, le président Laurent Gbagbo doit venir se repentir. On se repent de ses péchés. On se repent des actes, hein, de péché. Et on se repent devant qui? On se repent, hein, devant Dieu. Sinon, si ce n'est pas Dieu, là, tout ce qu'on peut faire, là, c'est te dire pardon. Mais repentance, là. Le mot repentance là. Vous regardez dans tous nos livres. Hein? Vous regardez dans tous nos livres religieux. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Hein? La repentance a trait à une divinité, à Dieu. Il n'y a que devant lui qu'on peut se mettre à genoux pour se repentir. Sinon tu es un être humain comme moi. Tu te tiens verticalement là. Je ne peux pas me repentir devant toi. C'est pardon au pire que je peux te demander. Donc voilà le plan B ridicule encore de Alassane Dramane Ouattara. Les avocats sont sortis, ils ont dit, on ne se répond pas. Puisque ces gens que tu as envoyés à charge n'ont été à décharge, tu étais ridicule. Bon, on a vu les vidéos, on passe. Voilà le plan C maintenant de Dramane. Il ne sait plus, il va mettre le cul. Ça chauffe.
Il ne sait plus, il va mettre la tête. Partagez la vidéo, invitez les amis. Aimez Akbo Assi, soit salué. J'ai dit, partagez la vidéo, invitez les amis. Il s'en va maintenant chercher un autre plan C. Il dit, comme il va rentrer bientôt, je vais mettre en place une parodie dramatique. Je vais créer une parodie dramatique. Ça ne peut pas rester comme ça. Comment moi, un Prado, un Ado, ou bien un AO, puisque le D là, il n'en veut plus. Comment ça s'est fait que j'ai tout fait? Ça n'a pas pris. Même mes amis blancs, ça n'a pas pris. Le gars est libéré, ils n'ont pas plébiscité sur toutes les chaînes de télévision, mais quand même, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Ah! Mais je vais faire comment? Hein? C'est-à-dire, je me réveille, mais je regarde dans mon placard, là, je pèse. C'est-à-dire, quand je vois l'ombre, quand j'imagine même que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, je vais faire comment? Il crée maintenant le plan C, qui est le plan, la parodie dramatique. Dans cette parodie dramatique que vous avez tous vu, hein, vous avez tous vu, donc je ne vais pas chercher encore les images pour essayer de vous perdre le temps parce que le direct, là, il faut qu'on aborde pas mal de petits sujets. Dans cette parodie dramatique, ils sont allés tuer des êtres humains innocents récemment, là. Chris Yapi l'a publié. Mon ami, comment il s'appelle, là, Afrique Média, Afrique d'abord, a fait le direct dessus. Donc, je ne vais pas venir reproduire ça pour vous. Le plan C. Vous voyez le gars, il est sapé. Sapé, choco, près du corps. Avec tous ses papiers d'identité dans sa poche. Son permis de conduire dans sa poche. Ils l'ont tué, il était couché par terre. Ça se trouve, il partait même à un rendez-vous de travail. Ça se trouve, il partait à un rendez-vous, il partait draguer une go. Ça se trouve, il partait à un truc important. Et on dit que non, que lui là, il était venu attaquer base militaire en Côte d'Ivoire. Quand tu vas aller attaquer base militaire, tu es dans un état d'esprit, c'est-à-dire que physiquement, corporellement et même de façon de ton accoutrement là, ça se voit. Vous voyez le joli monsieur couché comme ça par terre avec tous ses papiers. Draman a encore abattu des innocents pour mimer une scène machiavélique. Maintenant, il fait venir son ange Kessi à la télé pour dire que dans les personnes qu'ils ont attrapées là, hein, écoutez, hein, il y avait 4 Libériens et puis un Ivoirien. Mais c'est l'Ivoirien là qui était blessé. Et que, mais il était blessé, ils l'ont ramené rapidement aux urgences pour le soigner, pour qu'il puisse avouer ce qui s'est passé. Mais il n'a pas survécu. Au bout de 15 minutes, il est mort. Mais les conversations qu'ils ont eues avec lui, là, ils vont garder ça pour eux. Ange Kessi du gouvernement. Hé hé! Ça dit que Draman vous a donné un truc, mais vous êtes tous ridicules. On va vous exposer sur la toile ici. Maintenant, suivez l'affaire. Les 3 autres Libériens qui sont morts là, moi je ne les ai pas vus. Dans les images de Chris Yapi là, on nous a montré un joli gars couché. Bon, maintenant on continue. Vous regardez les pièces qu'ils ont pris, les papiers d'identité qu'ils ont trouvés sur les fameux Libériens. Très cher Mouton Dramanis. Très cher BMR. Écoute la zombrotte. J'ai dit, les papiers qu'ils ont trouvés sur les Libériens. Au Libéria, là, on parle que l'anglais. D'accord? Pays de Prince Johnson. Pays des Américains. Puis ils sont venus trouver les autochtones là. Et puis ils ont pris pays là. Et puis ils ont colonisé pays là. Là-bas là. On parle l'anglais. Ils ont leurs ethnies. Il y a des guerriers du Libéria, oui. Il y a les Yakuba du Libéria, oui. Mais ils ont leurs ethnies. C'est-à-dire que la langue la plus parlée là-bas, c'est l'anglais. C'est-à-dire que sur tes documents officiels, là, c'est écrit en anglais. C'est comme en France ici, là. On va parler le breton. Hein? On peut parler d'autres langues. Les Français, ils ont plusieurs langues. Mais quand on écrit sur documents officiels dans ce pays, en France, là, c'est écrit en français. Regardez l'état de risibilité encore de France Kessi du gouvernement. Les papiers qu'ils ont attrapés sur les Libériens là, tout était stipulé en français en bonne et due forme. Le monsieur dans sa poche, il avait son permis de conduire écrit en français. Les convocations étaient écrites en français.
qu'ils ont trouvé, même si les pièces d'identité là, tout était écrit en français. Les amis, les amis, ça fait pas rire ça, ça fait pas honte ça. Alexandrine Tetti, sois saluée. Hein? Ça fait pas rire ça. Sous le manche, sois saluée. Vous attrapez des libériens. Et les papiers que vous trouvez sur les libériens là, tout est en français. Ça c'est un. Son permis de conduire, pourtant tu dis qu'il est libérien. Son permis de conduire en français. Convocation, tout est écrit en français. Tous ces projets qui étaient sur lui, tout était écrit en français. Donc c'est des libériens ou bien c'est des Ivoiriens. Ou bien ils viennent d'où exactement? Demandez ça à Draman. Qui a constitué ces documents-là de façon ridicule pour pouvoir mimer une scène machiavélique? Soyez pas aussi cons. Quand vous voulez faire des trucs-là, faites-le bien, c'est-à-dire que de sorte que vous pouvez semer le doute dans la tête des gens. Hein? Avec tous les milliards que vous avez là, vous êtes aussi stupide? Ou bien c'est le pouvoir qui vous a plombé le cerveau, ça va plus là-bas? On continue. Ils s'en vont maintenant dire que les gens là, ça, regardez, les gens là, ils sont partis attraper base militaire. Ils avaient 3 machettes non aiguisées. Et les machettes là, c'est-à-dire que tellement ils sont allés prendre les machettes là dans un même magasin, les trois machettes, les étaient uniformes. Jésus, non mais j'ai tellement rigolé toute la semaine. J'ai dit, je vais prendre mon temps pour venir rire à vous. Ça là, c'est pas en fait, je ne suis pas RHDP, j'aime pas Draman. Votre mongol là, il s'en va pas. Il a pris 3 machettes identiques comme des jumelles. Blanc, rouge, blanc, rouge. 3 jolies petites machettes toutes, hein, alignées là, voilà. Jolies machettes, hein. Quelqu'un qui va venir attaquer là, s'il attend même d'aller d'avoir machette choco comme ça. 3 machettes choco alignées. Ils les ont bien placées. Maintenant, ils ont pris un seul revolver. Ils ont pris un seul Kalachnikov, hein? Et ça, ils ont pris. Et puis maintenant, ils ont pris quelques balles qu'ils ont comptées. 5 boules ici, 6 boules ici, 7 boules ici. Mettez les cœurs, les amis, hein? Mettez les cœurs, beaucoup de cœurs. Pas la vidéo va être coupée. Mais nous, on s'attaque au diable de la Côte d'Ivoire. On s'attaque, hein, au venin de la Côte d'Ivoire. On s'attaque au monstre de la Côte d'Ivoire. On n'a pas peur d'eux. Voilà. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Voilà. Hein? Maintenant, ils prennent les balles là. Et puis, ils mettent 5 ici. 10 ici. 8 ici. Et puis, ils mettent Kalachnikov là, c'est 1. Ça veut dire que ils sont 5. Ils sont 5, hein. Ils sont venus attaquer 10 gars armés. Voilà. Avec 3 machettes. Donc, avec les 3 machettes là. Hein? Quand l'armée là va sortir beaucoup comme ça, eux ils sont armés. Quand ils vont sortir pour tirer boubou là, eux les 3 machettes là vont pouvoir aller couper leur cou. Ça va pouvoir aller les tuer. Ça va aller pouvoir commettre djihadistes. Les 3 machettes là, ça va aller faire ça. Maintenant, pistolet là, l'autre prend une tille un peu, boubou. Et puis après, il donne à son camarade. Et puis lui aussi, il tire un peu, boubou. Puisqu'il y en avait un seul, hein? Il n'y en avait pas beaucoup. Et puis l'autre, il prend un peu, il tire, boubou. Mais si vous manquez d'esprit de créativité, les gars, ne prenez pas les Ivoiriens pour des ne prenez pas les Ivoiriens pour des idiots. Vous aurez pu simplement mimer une vraie scène, sortir 444 Kalachnikov là et les exposer, sortir des vieilles machettes rouillées, des neufs, des dabas, des instruments, des armes blanches, des objets, hein, coupants bizarres. Vous nous faites une belle tonne et vous créez un monde où ils ont mis charbon ici, des gens qui ont gueule de ça. Vous n'avez pas eu l'idée de ça. Vous êtes allé inventer une histoire aussi risible de votre état. Et ce qui me fait pitié, vous avez piégé des innocents, vous les avez tués pour rien, pour mimer une scène machiavélique au finish qui est ridicule. Et toi, ange qui est du gouvernement, tu as ta place là depuis 2000, tu étais honnête. Maintenant,
tu as eu le venin de COVID à 11, tu es contaminé, tu es atteint. Mais sur le plateau, quand tu parlais, là, tes yeux clignotaient, tu paniquais dans la gestuelle. Vous savez le langage là, hein? Voilà, le langage non verbal. Quand quelqu'un est en train de mentir, et puis il clignote des yeux, il est mal, tu étais mal à l'aise. D'abord, la question a été posée à celui qui était en face de toi. Il a dit non. La question est trop forte pour moi, poser ça à Ange-Cécile du gouvernement. Et toi, Ange-Cécile du gouvernement aussi, tu es là. Tu te ridiculises. Quand le pays va être libéré demain, là, vous, on va vous appeler qui? Donc, frères, très chers frères et sœurs, partagez la vidéo, invitez les amis. Partagez la vidéo, invitez les amis, mettez les cœurs. Et je demande à tous mes anges d'attaquer tous les BMR, les batteries multirésistantes. D'accord? Alassane Dramane Ouattara nous a fait voir tout dans ce monde entier. On a vu en Tunisie, un étudiant s'est immolé. Quand il s'est immolé là, c'est ça qui a créé printemps arabe. N'est-ce pas? Mais nous en Côte d'Ivoire là, on a tout vu. On a tout vu, mais Dramane est encore au pouvoir. Ouais! Dramanitié! On a tout vu, les amis, oh, mais Dramane est encore au pouvoir. Une femme a été immolée devant la présidence en Côte d'Ivoire. Elle s'est donné la mort en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas enlevé Dramane au pouvoir. Le peuple n'a pas été outré. Ça n'a pas touché le peuple pour sortir. Ok? Tout ce Kofi a été décapité, déconnecté de son corps. Sa tête était déconnectée de son corps. Non seulement ils ont fini de gicler, de couper tout, ils sont partis, c'est-à-dire éponger le sang là, sur son jean, et ils sont allés jouer au foot. Regardez les atrocités. Dans tout le monde entier, dites-moi quelle atrocité qui s'est produite hein, ailleurs, similaire à la Côte d'Ivoire que les autres ont laissé passer. Et que la Côte d'Ivoire est toujours en train d'admirer. Jérôme David soit salué. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, là, une femme s'est fait immoler. Ça n'a pas créé printemps ivoirien. Un être humain a été décapité. Ça n'a pas créé printemps ivoirien. Dans notre désobéissance civile, là, on nous a tués. Ça n'a pas créé printemps ivoirien. Notre frère du Nord, en bas, qui a dû se boucler, se gérer, se cadenasser là. Ils sont allés l'empoisonner lui-même parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était présidentiel. Fallait que Tene Biraïma prenne le banc. Ils l'ont empoisonné au clair de la lune. Ça n'a pas créé printemps ivoirien. Les gens de Séguéla n'ont pas eu le culot de se donner à mourir. Ils sont sortis marcher un peu, mais après on les a menacés avec des fusils. On dit soit c'est la mort ou la prison. Donc, si tu veux pas la mort ou la prison là, calme-toi. Ils ont dit on va se calmer. Ils ont dit mon ça, ça ne nous suffit pas. Agenouillez-vous, prosternez-vous pour demander pardon au Dieu Dramane. Ils se sont agenouillés, ils se sont fait humilier. Dites-moi, dans quel monde, hein, dans le monde entier, les faits qui se produisent en Côte d'Ivoire, il y a certains qui se sont produits ailleurs et ça crée un soulèvement populaire et ça valut hein, le renversement de ce régime. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on a tout vu, mais le régime de Ouattara n'est toujours pas renversé. Le régime de Dramane, là, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, puis continuez de parler. Hein. Le régime de Ouattara n'est toujours pas renversé. Ce qui a créé printemps arabe, là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le régime de Ouattara est là. Décapitation, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le régime de Ouattara est là. Ok? Désobéissance civile, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le régime de Ouattara est là. Pucherie balée. Société civile. Une femme, tu la vois, tu n'avais pas besoin de la connaître. Son physique te parle. Tu sens qu'elle est intelligente. Tu sens qu'elle est posée. Tu sens qu'elle est instruite. Ce n'est pas une dame qui va venir ici critiquer quelqu'un. Non. Elle vient juste parler côté justice, côté loi. Elle a dit, mais respectons notre constitution. Elle croupira en prison hein, jusqu'à ce que Dramane décide ou jusqu'à ce qu'il meure. Ou jusqu'à ce que Dieu vienne intervenir pour que ce régime-là tombe. Ce qui me choque dans l'affaire,
qu'est-ce qui peut se passer dans un pays pour que le gouvernement, c'est-à-dire que le président ou bien ceux qui sont là, là soient renversés. Qu'est-ce qui peut se passer? Citez-moi ça ici. Tout s'est passé en Côte d'Ivoire, mais Draman est encore assis. D'accord? La raison du plus fort, parce que pour lui là, ça dépassait la raison du plus fort. Pour lui là, ça dépassait Lucifer qui a quitté où il est et il vit en Côte d'Ivoire. Vous allez au Ghana, vous allez voir les exilés politiques. Des pères de famille, des mères de famille qui sont en survie. Ils sont en survie. Moi, je ne les traite même pas de brouteurs. Parce que tu n'as pas de revenus, tu as faim. Donc, tu vas blaguer quelqu'un qui va t'envoyer 50 euros. Tu vas inventer une histoire ici. Et puis, finalement, on va dire non, tu es brouteur. Tu n'es pas brouteur. Où tu vas enlever? Ils ont même mis en bargo ces médicaments au Ghana là-bas pour dire que ne leur donnez même plus à manger, ne les soignez plus. Draman a fait ça. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, les amis, invitez les amis. Nos parents au Ghana sont livrés à eux-mêmes. Nos parents au Ghana meurent de faim. Et quand ils meurent tous les jours, il y a un cimetière spécial où ils s'en vont demander pardon au chef du village et puis on enterre les Ivoiriens. On enterre les Ivoiriens. Sous quel président ivoirien a été aussi ramené à l'état animal? Sous quel président ivoirien, l'Ivoirien n'a pas de considération, même étant à l'extérieur du pays. Un Ivoirien à l'extérieur reste un Ivoirien. Un Ivoirien au Ghana doit être un Ivoirien. Un Ivoirien au Qatar doit être un Ivoirien. Un Ivoirien au Maroc doit être un Ivoirien. Mais sous Draman, allez-y voir les Ivoiriens au Ghana. Allez-y voir les Ivoiriens au Ghana. On dirait une tribu, des gens livrés à eux-mêmes, qui meurent de faim, qui meurent tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont en absence de soins. Les bébés sont obligés de boire de l'eau sucrée avec du pain pour ne pas faire de l'hypoglycémie. Les bébés sont maigres. On reçoit les images, nous, hein. On reçoit les images, les photos. C'est pénible. J'en parle moi-même pour dire que je vais encore regarder deux fois, trois fois. C'est écœurant. Ça dit que ça gâche ma journée. Je suis à Bazoudi et je tombe malade. Quand je vois de telles cruautés, quand je vois de tels manques d'humanisme, un président de la République est fier de lui, doit entendre que ses enfants à l'extérieur sont bien. Un président de la République est fier de lui, ne doit pas accepter que ses enfants, hein, quand ils prennent bateau en Tunisie, et qu'il y a des morts, et que l'eau repousse les cadavres. On appelle tous les autres pays, venez identifier vos enfants. Et tous les autres pays africains récupèrent leurs corps pour les ramener sur leur terre. Mais Draman Ouattara, il dit, prenez-les, rejetez-les aux requins, que les requins les mangent. Un président de la République sans cœur, un président de la République dépourvu d'humanisme, un président de la République qui dit qu'il aime un pays mais qui n'aime pas le peuple, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que moi, je ne peux pas dire que je m'aime et puis je n'aime pas mes enfants. Puisque la réussite de mes enfants, là, c'est ma fierté. Quand on dit, regardez les enfants de Bagui Zompro. Elles sont devenues ministres aujourd'hui. Elles sont devenues docteurs aujourd'hui. Même si elles ne me voient rien, moi, j'ai réussi, c'est une fierté. Toi, tu n'as même pas de fierté de tes enfants à l'extérieur. Ils meurent, c'est-à-dire que tu ne te sens pas concerné. 1500 enfants au Ghana sont déscolarisés. 1500 enfants au Ghana sont livrés à eux-mêmes. Les Ivoiriens au Ghana sont devenus... C'est-à-dire qu'on dit qu'avant, là, les Ghanéens, quand ils étaient pauvres, là, les Ghanéennes venaient faire prostitution en Côte d'Ivoire. Elles étaient encore mieux traitées. Elles avaient studio pour dormir et les Ivoiriens partaient leur donner de l'argent pour coucher avec elles. Elles n'étaient pas à l'état animal. Mais vous allez aller trouver Ivoirien au Ghana aujourd'hui. Ça ressemble à une autre tribu. Ça ressemble à une autre espèce. C'est honteux pour notre nom d'Ivoirien, pour notre code d'Ivoirien, pour notre image d'Ivoirien. Et on accepte qu'il y ait un président
qui s'en fout complètement de ça pour des raisons politiques. Parce que lui, il se bat pour que, a dit que lui, en fait, ce que vous ne devez pas comprendre, c'est qu'Alassane Dramo Ouattara dit que lui, il est le président que des gens du Nord. Et là encore, voilà un point D où il se fait foudroyer encore lamentablement. Où il se fout des Ivoiriens, j'en viens. D'accord? Alassane Dramo Ouattara, c'est de l'abus du pouvoir. Alassane Dramo Ouattara endette le pays et il justifie ça par les constructions, hein? Des villas, des voitures, des goudrons. Il s'en fout du système de santé. Partagez la vidéo, invitez les amis. Je dis, partagez la vidéo, invitez les amis. Léandre Poyi soit salué. Oui. Partagez la vidéo. Vous partagez dans les groupes, dans les inbox, tout ce que vous voulez. Parce que je vais vous parler ce soir. Donc, partagez. Il n'y a pas envie de perdre mon temps ici. Voilà. Vous partagez, vous mettez que les cœurs, que la vidéo ne se coupe pas. Le système de santé en Côte d'Ivoire est bâclé. Le système de santé en Côte d'Ivoire est bafoué. Le système de santé en Côte d'Ivoire n'est pas optimal. Le système de santé en Côte d'Ivoire est risible. La preuve, même pour une migraine, eux-mêmes, ils coupent pour venir se faire soigner ici. Mais la population sur place, là, c'est comment? Il y a un gars qui vient de perdre ses deux jumelles, là, gratuitement. C'est comment? Il est en train de passer sur la RTI, passer sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux sociaux. Il est abasourdi, il est affaibli. Il va bever jusqu'à ça va rester comme ça. Ses enfants ne vont pas revenir. Le système de santé en Côte d'Ivoire est nul à chier. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce que Dramo Ouattara fait vivre aux Ivoiriens, là, crée hein, une pathologie en ce moment qu'on appelle l'AVC. Accident ischémique. Vous comprenez? Accident vasculaire cérébral. AVC. Accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, la mode d'Abidjan, là, les Ivoiriens ont développé l'AVC. Et cet AVC-là peut être ischémique et peut être hémorragique. Et ils nous envoient des médecins à la télévision qui ne sont même pas capables d'expliquer c'est quoi l'AVC. Les Ivoiriens maintenant marchent comme ça. Vous trouvez les filles marchent comme ça. Vous trouvez les garçons ils sont comme ça. À cause de la souffrance que vivent les Ivoiriens ont développé l'AVC ischémique. Il faut savoir que l'AVC, il y a deux types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique qui prend 86% des personnes et il y a l'AVC hémorragique qui prend 15% des personnes. Les Ivoiriens sont au stade AVC. Ils sont au stade végétatif. Ça, je vous ai toujours dit ça. Partagez la vidéo, invitez les amis. Alassane Dramo Ouattara a rendu les Ivoiriens au niveau accident vasculaire cérébral. Pourtant, on dit que c'est un accident, donc c'est imprévu. Mais Alassane Dramo Ouattara a réussi à accidenter au niveau cerveau les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, le cerveau de l'Ivoirien n'est plus irrigué. Le cerveau de l'Ivoirien, c'est-à-dire que le fer et l'oxygène qui va être transporté par le sang pour aller oxygéner ton cerveau, là, ce n'est plus irrigable chez les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens vont créer quoi? Il va se former un caillot. Il va se former ce qu'on appelle une thrombose. Et cette thrombose-là va empêcher l'oxygène de passer. Et aujourd'hui, les Ivoiriens vont se trouver dans une situation où ils sont là maintenant. Voilà. Ils chopent un AVC ischémique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent la voix. Ils perdent la voix. Quand tu lui dis de tirer la langue, il ne sait pas tirer la langue. Quand tu lui dis de prononcer les mots, il devient aphasique. Quand tu lui dis lève-toi, il tombe, il ne peut plus s'asseoir. Aujourd'hui, vous vous renseignez à Abidjan, les Ivoiriens sont en train de tout choper l'AVC. Alassane Dramo Ouattara en train de tuer les Ivoiriens. Si l'AVC n'est pas ischémique, là, l'AVC est hémorragique. C'est-à-dire qu'il va se former au niveau maintenant de ton cerveau encore. C'est-à-dire que si l'oxygène n'est pas passé, là, ça c'est ischémique. Maintenant, il va créer maintenant l'hémorragique. Voilà, il va se passer un infarctus là qui va se produire dans ton cerveau, c'est-à-dire au niveau de tes artères là, il va se créer au niveau de tes parois de tes artères, il va se créer des poches de sang. Voilà, voilà. C'est-à-dire tellement tu n'es pas bien là,
Hein? Voilà. Les poches de sang là vont se former et un matin, le stress fait que, la souffrance fait que, le manque d'alimentation fait que, la douleur fait que, les soupirs font que. Cette poche de sang là éclate et tu fais AVC hémorragique. Et tu meurs au calme. Tu meurs au calme. Parce que si vous regardez les symptômes qui produisent l'AVC là, c'est ce que les Ivoiriens sont là vivent. Manque d'alimentation. Les Ivoiriens ont faim. Vous comprenez? Le stress, c'est cause d'AVC. Choc post-traumatisme, c'est cause d'AVC. Hypertension artérielle, c'est cause d'AVC. Regardez autour de vous dans votre famille là, qui n'a pas hypertension artérielle? Qui n'a pas tension? Papa de qui, maman de qui n'a pas tension? Même vos femmes, vos enfants, même les enfants même ont tension à Bigan. Alassane Dramane Ouattara en train de ronger le peuple ivoirien. Il est en train de nous tuer au calme. Il est en train de nous foutre des crises d'hypertension. Il est en train de nous foutre des crises de stress. Il est en train de nous détruire psychologiquement, hein, mentalement et moralement. Sinon, les signes de l'AVC là, hein, on va passer. On va continuer de parler d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que si je vais vous faire un coup là, mais ça va m'énerver. Ok? Alassane Dramane Ouattara tue nos parents. Les vieux meurent. Les jeunes meurent. Voilà. Les bébés meurent. Voilà. Tu es sur le terrain. Tu vas mourir. Parce que tu n'arrives pas à accepter ça. C'est-à-dire que ceux qui sont à Bigal, ils n'arrivent pas à accepter cette gouvernance. Ils ne comprennent pas quel est ce président moribond. Qui dit, je vais rester au pouvoir pour le Nord. Je vais rester au pouvoir pour les gens du Nord. Parce que hier, on était ségrégés. Mais hier, tu étais où, Alassane Dramane Ouattara? Hier, tu étais aux États-Unis. C'est là-bas que tu as fait tous tes enfants. Tu étais chrétien. Ton fils s'appelle David. Ta fille aussi, elle a un nom chrétien. Tu n'as jamais été musulman. Tu ne connais pas le Coran. Mais tu es venu soudoyer une partie de nos frères. Et malheureusement, ils t'ont cru. Mais aujourd'hui, là, ton cul va être dehors. Ton cul va être dehors. Tu ne vas pas nous séparer, nous les Ivoiriens. Et comme moi, la Zambroche, je m'en fous de venir dans ton Abidjan. Donc moi, je ne vais jamais faire semblant à toi. Tu dis, monsieur le président, tu es une gangrène pour la Côte d'Ivoire. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire et tu seras dénoncé. Tu seras toujours dénoncé, tu seras toujours exposé. D'accord? Quand tu as dit que toi tu es là pour le Nord, qu'est-ce que tu fais pour le Nord aujourd'hui? Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que tu fais pour le Nord aujourd'hui? À part tuer les fils du Nord. Tu es ceux-mêmes qui t'ont donné toute leur confiance. Tu es Gon Coulibaly. Tu es Ahmed Bakayoko. Mettre les enfants du Nord en prison. Les pourchasser. Soro Guillaume est exilé aujourd'hui. Lui, s'il le mérite. Mais il est du Nord quand même. Sinon, c'est lui qui a écrit pourquoi j'ai été rebelle. Tu as été un grand vis-à-vis de lui, mais lui, il va payer pour ce qu'il a fait parce qu'il a tué le peuple. Ouais, il va passer par la case justice, on a déjà dit ça. J'ai dit son nom parce qu'il est du Nord aussi. Tu as fait quoi pour tes... C'est-à-dire que pour tes best-sellers du Nord, Ibé, tu l'as tué rapidement. Parce qu'Ibé a dit, mais moi, je suis militaire. J'ai fait mon coup d'état, je ne vais pas donner ça à un civil. Donc, quand tu as dit que tu étais président, là, Ibé a fait discours en même temps pour dire que lui, il est président. Dada, tu allais le tuer. C'est Soro Guillaume qui est bête qui t'a donné sa place. Parce que toi, tu dis que tu es rebelle. Tu as braqué partout que tu es rebelle. Donc, si ça a pris là, tu pouvais t'asseoir. Pourquoi tu donnes ta place à un civil? Tu pouvais t'asseoir aujourd'hui et puis tu nous fais chier. Puis nous, on te fait chier. Et puis on rentre chez chier. Mais tu allais donner ta place à un civil. Ok. Drama Ouattara. Tu as pondu tout ce qu'un être humain ne peut pas pondre dans le monde entier. Ça dit que les faits, c'est-à-dire les faits choquants,
qui se produisent dans un monde et puis le peuple se soulève là. Toi, tu as fait ça. Il n'y a pas un autre fait que tu n'as pas encore fait. Ouais. Et maintenant, mes pauvres parents du Nord pour lesquels toi, tu es resté au pouvoir. Tu es en train de les tuer, les roger. D'accord? Il faut dire la vérité que tu es là pour les gens de CDAO. Il ne faut pas dire que tu es là pour le peuple du Nord. À cause de toi, tu nous as braqué contre nos frères burkinabés. Tu connais Burkinabé, tu sais c'est qui Burkinabé? Toi, tu es un Burkinabé d'où? Tu ne sais même pas. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'existence. Tu es né Burkinabé, mais tu ne connais pas les Burkinabés. Maintenant, tu viens trouver les Ivoiriens, tu dis que tu es Ivoirien, tu ne connais pas les Ivoiriens. Sinon, tu connais, tu sais c'est qui Thomas Sankara? Thomas Sankara, l'homme de l'Afrique, le fier guerrier. Aujourd'hui, tu peux regarder les images de Thomas Sankara jusqu'à demain matin. Tu respectes les Burkinabés. Mais comme toi, tu n'as ni origine, tu n'as ni pays, tu n'as ni couleur, tu n'es ni blanc, tu n'es ni noir, tu es gris. Tu es gris. Alassane Draman Ouattara, tu es gris. Tu as commis des atrocités sur nos parents du Nord. Tu viens là de détruire la vie d'un de nos frères du Nord. Faut pas croire que c'est parce que on est pro-Gbagbo que qu'on reconnaît pas nos frères du Nord. Puis c'est Gbagbo lui-même là, c'est le chef de ça. Ok? Gbagbo lui-même là, c'est lui-même qui aime les gens du Nord. Quand tu vas à Korogo, Gbagbo est aimé. Il y a un appel? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Ah, d'accord, ok. C'est qui? C'est Monsieur Touré, Ibrahima. Monsieur Touré, enchanté, ben vous êtes en direct, là. Les followers vous écoutent. Allô? Oui, Monsieur Touré, vous êtes en direct, vous pouvez parler, les followers vous écoutent. Ok, je vous remercie de m'avoir donné la parole, franchement, oui. Merci. Mm-hmm. Merci infiniment. Je suis M. Touré Ibrahima. Mm-hmm. Je suis de la diaspora. Ok. Voilà, 23 ans en Europe. Mm-hmm. Et 23 ans de galère, 23 mm-hmm. ans de souffrance par rapport à l'appel du président à l'époque. Donc, comme je l'ai toujours dit, c'est ça qui m'a motivé vraiment à aller investir chez moi, mm-hmm. chez moi en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et franchement, je suis tombé de nu. Ce qui m'est arrivé. Mmh. Même quand j'explique, il y a encore des frissons. Ah, attends, je vais annoncer la couleur pour que les followers comprennent. Il y a un frère qui vient d'appeler, s'appelle Touré Ibrahima. Il dit que par rapport à l'appel de Draman d'aller investir en Côte d'Ivoire, lui, il a été investi, mais ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui lui donne des frissons. Donc, écoutez bien son témoignage, partagez la vidéo, invitez les amis. Je te laisse continuer, frère. D'accord. Donc, c'est difficile, hein. C'est difficile. J'en parle et mm-hmm. j'en tremble, en fait. Parce que, actuellement, mm-hmm. je ne peux pas motiver quelqu'un à aller investir en Côte d'Ivoire actuellement. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce qui m'est arrivé, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Ah bon? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte un peu. À mon pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter ça. Mm-hmm. J'ai pris mes économies, mm-hmm. aller investir en Côte d'Ivoire, mm-hmm. aller voir une société immobilière mm-hmm. qui est reconnue par l'État, qui est reconnue par le ministère de la Construction, mm-hmm. pour éviter des problèmes par rapport à ma pathologie, par rapport à ma santé. Mm-hmm. Parce que je suis cardiaque à plus de 80%. Tu es cardiaque à plus de 80%. 80%, il y a un problème de cœur. Ok. Mais ils ont failli me tuer à Pétion. Parce que ça, on appelle ça l'assassin. Ils ont voulu m'assassiner. Mm-hmm. Comment ça? On ne peut pas aller détruire le bien de quelqu'un. Oui, maison que c'est construit. C'est tous les documents. Les maisons sont habitées avec des locataires qui étaient absents. Par copinage, le ministère de la Construction est venu avec M. Angolan Serge. Qui s'est dit comptable à la présidence,
Ils sont venus détruire les maisons. Attends, frère, je traduis encore. On a un frère en ligne qui a construit ses maisons en Côte d'Ivoire. Et quand il a construit ses maisons en Côte d'Ivoire, il y a un certain Angora Serge qui a donné l'ordre d'aller détruire ses maisons. C'est un frère du Nord, hein. Alors que Draman avait dit qu'il était venu pour les frères, pour les gens du Nord. Mon frère, tu as investi combien pour construire ces maisons-là? 160 millions. 160 millions. J'ai pris un prêt même en France ici pour compléter mon argent pour aller construire. Ok. Continue. Angora Serge me dit qu'en face de chez lui, que j'ai fait des studios qui donnent en face de lui, que ça, il ne peut pas accepter parce que c'est les prostituées et c'est les brouteurs qui vont habiter là. Une maison qui n'était même pas encore habitée. Lui, c'est ce que lui dit. Mais Angora Serge, là, lui, c'est qui? Il est comptable à la présidence de Côte d'Ivoire. Ok. Il passe par tous les moyens parce que c'est son ami qui est le directeur de cabinet du ministre. Il s'appelle M. Diabaté Kaladji. Qui est le chef du cabinet du ministre, qui passe, lui aussi passe par le ministre, sans aucun document de justice, sans prévenir, sans une sommation, sans même dire demain quitter là. Ils sont venus détruire les maisons, les 8 maisons sur les affaires des locataires qui étaient absents. En fait, tu n'as pas eu de notification, tu n'as pas eu de courrier, tu n'as pas été prévenu, et ils viennent, ils détruisent les maisons pendant que les gens habitaient dedans. Pendant que les gens sont dedans. Et ça, ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 26 novembre 2020. Ok. Donc, c'est-à-dire quelques semaines avant Noël. Comment on peut faire ça entre nous, les Ivoiriens? Même si on dit, quel que soit ce que vous, comment on appelle, parce que ces terrains, ceux-là ont acheté. Il y a des voisins qui ont acheté. Il y a des riverains qui ont acheté comme moi. Mais pourquoi ces points viennent casser? C'est-à-dire que c'est par copinage. Parce que le ministre de la Construction, M. Napone, a donné l'ordre de venir casser. Moi, je ne connais pas le ministre Napone. On ne peut pas jouer avec la vie de quelqu'un comme ça. Ouais. En fait, le frère ici, il a commencé à dire qu'il n'encourage même pas les Ivoiriens à acheter maison en Côte d'Ivoire. Lui, il a gaspillé 160 millions. Il a construit. Et le comptable de la présidence a décidé qu'on va casser ces maisons-là parce que ces maisons-là sont à proximité de lui, son lieu d'habitation. Et il crée un mensonge en disant que le monsieur veut faire de la prostitution. C'est ça? Il dit que c'est les prostituées qui vont venir habiter. Lui, il a des enfants, lui ne peut pas accepter ça. Mais cette affaire-là, toi, tu as fait quoi comme démarche après? Tu as appelé, tu as été à la présidence, tu as fait des courriers. Après la démolition, j'ai failli y passer parce que j'étais sur antidépresseur. Okay. Je prenais des comprimés. Franchement, c'était pas du tout facile. Parce que c'était la surprise, en fait. C'est comme on appelle. Parce qu'on ne te prévient pas. Tu n'es pas préparé à quelque chose. C'était ça. Donc, il y a l'association des droits des hommes qui m'ont fait appel, qui ont vu les vidéos passer. Ils disent, monsieur Touré, venez, je ne pouvais pas. Mais ils ont tellement insisté, je suis allé les voir. Ils disent, bon, ce que tu vas faire, il faut faire un courrier au ministre de la Construction. Il faut faire un autre courrier, à la présidence, adressé au président. Ok, donc tu as fait des démarches. J'ai fait les démarches. Mais il faut forcément qu'ils te déchargent pour prouver que tu as déposé ces courriers. Et c'est ce qui a été fait, ça a été déchargé. Mais ils ne m'ont jamais appelé pour me dire, monsieur, on a reçu ton courrier, on vous revient. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un chien. C'était comme si, les locataires qui étaient là, c'était des poules. Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils veulent montrer. Partagez la vidéo, invitez des amis. Et c'est-à-dire, ils m'ont poignardé deux fois. Ils ont détruit mes maisons. Maintenant quoi, ils manigancent des mensonges. Madame, ils manigancent des mensonges avec des faux documents. Dis-nous tout. On a convoqué Monsieur Touré deux fois. Monsieur Touré a signé un document. Madame, comment quelqu'un peut mettre 160 millions dans des maisons? Vous allez venir lui donner un document qu'on vient de détruire et puis la personne va signer. Est-ce que je suis fou?
Comme Dieu est un Dieu de justice, les dates qu'eux-mêmes ont fabriquées pour mettre sur ces documents, la date m'a trouvé à Genève. Comment ils peuvent expliquer ça? Ah, ils ont conspiré en disant que toi, tu étais présent alors que tu n'étais pas là. J'étais à Genève. J'ai mon passeport qui dit, j'ai mon passeport qui prouve. Ouais. Ouais. Je vais te laisser continuer, frère. Mais je vais m'interpeller ici. Partagez la vidéo, invitez les amis. Hein. Vous avez un président de la République qui est sans cœur, un gouvernement qui est sans cœur. Et le gouvernement dit que je suis là pour vous, les gens du Nord. Et on nous interdit d'envoyer même les véhicules pour faire nos bacs, nos taxis, nos wororo. Et on tue nos gens du Nord. Et on sait que dans la construction, dans la construction, c'est les parents du Nord qui sont forts dans les immeubles, j'ai ci et ça. Voilà maintenant le frère. Il prend toutes ses économies, il se prive. Partagez la vidéo, invitez les amis. Il se prive. C'est-à-dire que pour construire une maison, ceux qui n'ont jamais acheté des terrains construits là, peut-être qu'ils n'ont pas idée. Construire une maison, d'abord c'est un projet de vie que toi-même tu n'es pas sûr que tu vas réaliser. Parce que tu as l'impression que tu as la folie des grandeurs. Mais quand tu te donnes les forces et les moyens, tu arrives à construire ça et tu te dis encore sur ta terre natale. Sur ta terre natale. Là-bas où quand tu seras à la retraite, tu vas pouvoir aller te reposer. C'est là-bas que le frère a fait tous ses sacrifices et il a été réalisé ce projet, ce grand projet-là qui a été détruit sous ses yeux. Mais est-ce que tu as cherché à aller les dénoncer au moins à la RTI, au niveau des médias et tout ça? Les médias, je remercie plusieurs journaux qui ont passé ça dans leurs journaux, qui ont dénoncé l'injustice et les abus de pouvoir. Mais à la RTI, quand je suis rentré en contact avec eux, au début, ils m'ont bien écouté, ils compatissaient. Mais quand ils ont appris que la personne qui a fait détruire, qui était à la tête, M. Angourant Serge, travaille à la présidence, ils ont refusé. Ils disent que non, eux ne peuvent pas en parler. S'ils en parlent, c'est comme s'ils entachaient le président. Je leur ai dit, mais monsieur, c'est le principal président qui a cassé. C'est quelqu'un qui travaille là-bas. Mais la RTI a refusé catégoriquement de me recevoir. Oui, ils disent qu'ils ne peuvent pas en parler. C'est-à-dire, moi-même, je paye la redevance. Tu as une télé, tu n'as pas de télé, tu as payé une redevance. Parce que tu as sur ta facture de courant, c'est écrit redevance, tu payes. Mais quand même, quand on a des problèmes, le problème, si c'est pour inviter n'importe quoi, des gars de folklore, pour raconter n'importe quoi, des faux buzz, sont premiers. Mais quelqu'un qu'on vient de détruire, une maison de 160 millions, avec 8 locataires dehors, par le ministre Diabané Kone, vous n'êtes même pas capable de recevoir cette personne. Même si je devais payer, j'allais payer pour passer, parce qu'on dit que les passants sont payants. Mais j'allais payer. Ils ont dit catégoriquement, non, on ne peut pas vous recevoir, parce que la personne travaille à la présidence. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas quelqu'un, ce n'est même pas la peine d'aller à l'école. Puisqu'on passe pas un concours pour entrer à la présidence. Mais mon frère, quand tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire là-bas? Allô? Tu es de quelle ethnie? Moi, je suis Djoula, je suis de Kani. Mais à Kani, là, il y a une ethnie, non? Oui, on est Kaninga. Donc, faut plus dire que je suis Djoula. Franchement. Faut plus dire ça. On va se battre avec ça. Parce que les gens qui nous combattent là, eux, ils quittent chez eux, ils viennent, ils disent qu'ils sont Djoula. C'est eux qui ont semé zizanie là dans notre affaire là. Hein? Dans notre affaire là, c'est eux qui ont semé zizanie. Nous, on se connaît, on sème entre Ivoiriens. Et c'est maintenant, on va bien s'aimer plus qu'avant. Chacun n'a qu'à dire son ethnie. Faut plus dire que tu es Djoula. Et je lance le message là ici à tout le monde. Parce que un Guinéen peut quitter là-bas, il va dire je suis Djoula. Je n'ai rien contre les étrangers. Hein? Parce que dans chaque pays, dans tous les pays, il y a des étrangers. Moi-même, je suis étrangère chez les gens. Mais comme je connais ma place, parce que c'est l'homme même qui fait sa place, je connais ma place et je sais comment marcher, comment me voilà. Je ne vais pas m'impliquer dans la décision de qui va être président dans le pays des gens. Je ne vais pas aller tuer parce que la personne qui est là, là, est pareil que moi. Donc, nous, les Ivoiriens, maintenant, au travers de ce témoignage de notre frère, là, c'est notre frère. Donc, on va l'écouter jusqu'au bout. Et puis on verra. Je vais faire ma conclusion après. Déjà, il me dit qu'il est du Nord. Maintenant, je lui demande quelle ethnie. Il me dit je suis Djoula. Ça, je n'ai pas aimé. Mais comme il a précisé son ethnie,
Je suis d'accord. Donc, tu es mon frère ivoirien. Je peux continuer de t'écouter. Franchement, ce que je souhaiterais, c'est de passer à une émission, une de vos émissions Ebure Média. Ok. Pour vraiment mieux expliquer cette histoire. Là, je l'explique avec émotion. C'est-à-dire, je n'ai pas de mots. Mais comment tu as eu le numéro d'abord, mais pour appeler sur le direct? Parce que, ou bien Ebure Média, tu l'avais déjà noté le numéro? Si, sur l'un de vos directs, j'ai vu que vous avez ma carte numéro, qu'on pouvait vous joindre. Bravo, parce que moi, parce que je n'ai pas compris, j'ai dit, mais qui m'appelle pour parler comme ça? Ton histoire est vraiment touchante, ton histoire est extraordinaire. Et non. Comme tu nous fais la demande d'intervenir sur la chaîne télévision Ebure Média, je pense que avec la régie, avec l'administrateur, nous allons vraiment essayer de t'écouter un peu plus de façon approfondie, même après mon direct. Hein, on va essayer de te recontacter pour qu'on puisse en parler en profondeur. Parce que nous, avant de se mettre vraiment en direct, parce que comme c'est quand même une télévision, hein, qui est vraiment née et fait polémique, j'invite ici tous les followers, allez vous abonner sur Ebure Média. C'est la télévision de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens du Nord, du Sud et du Centre. Là-bas, on a les débats. Les sujets ne sont pas tabous. Quel que soit le sujet, on le pose et on débat. Après, si ça va faire polémique, on laisse les esprits ouverts, les esprits sages juger. Donc, l'histoire du frère qui vient de raconter, moi, je pense que, comme tu nous as sollicité, on va vraiment te rappeler tout à l'heure. Ou bien, qu'est-ce qu'en pense la régie? Voilà. On va te rappeler tout à l'heure, le frère Koné. Et si non, tu... Touré. Le frère Touré. On va te rappeler tout à l'heure, après mon direct, là, je te donne ma parole. Je vais te rappeler parce que ce que tu as dit là déjà, même ça me dépasse. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils ont cassé des maisons. Les gens sont allés dormir sur des tombeaux, des cimetières. Ça, j'ai vu. Mais aller casser des maisons de quelqu'un qui vit à Bengue, malgré son état de santé, a réussi à trouver des crédits, à s'endetter, a réussi à priver sa vie de famille pour aller investir sur sa terre natale. Mais quelle cruauté! Quel manque de justice! Il ne peut même pas aller s'exprimer sur la télévision parce que je lui ai demandé, tu as été à la RTI. Il dit qu'à la RTI, là-bas, on dit si on va parler là, ça risque d'entacher le président. Donc la télévision ivoirienne appartient au président. Si tu n'es pas du côté du président, tu ne peux pas l'ouvrir. C'est ça. C'est ça un pays démocratique? Je vais te laisser continuer encore si tu as quelques mots à dire aux followers. J'ai quelques mots à dire parce que j'ai tellement à dire que je suis dépassé. Je suis malade même. Aïe. Parce que tu réfléchis. Tu dis, mais comment des Ivoiriens peuvent faire du mal à leur frère ivoirien? Et puis sans regret. Si c'est pas maintenant, je ne peux pas comprendre. Parce que la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Comment on peut faire du mal? Ils savent qu'ils ont fait du mal. Mais on en parle. Quand on peut dire à la personne, ah, franchement, ton corps lui-même, on n'aime pas sa tête, mais au moins les huit locataires là, on va les appeler quand même pour les gérer un peu. Et du coup, les locataires étaient là quand ils sont venus démolir? Ils n'étaient pas, ils étaient absents. Donc, ils ont tout perdu. C'est une dame qui a tout fait sortir de ses affaires dedans. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs affaires précieuses. Rien. Même on a dit au capitaine de marquer un arrêt. On a appelé les locataires, ils arrivent. Le capitaine Kika dit, lui, il ne peut pas gâcher du dinero de carré pour ça. Que nous, on a envoyé pour casser, lui, il ne peut pas attendre. Il est cassé. Angoran Serge, la présidente, il était arrêté à côté d'eux. Donc, ce Angoran Serge là, tu vas nous envoyer ces images, et puis on va l'afficher. Voilà. Je te laisse continuer. Je suis scandalisé. Mais on dit, mais vous avez tel document. Le monsieur me dit, capitaine Picard, je le dis son nom. Il est capitaine Picard de la brigade du ministère de la Construction. Il dit, j'ai pas besoin de document. La décision vient de là-haut. Hein?
C'est-à-dire mes 160 millions ont été démolis. Ma souffrance, mes va-et-vient, mes tirs d'avion, me priver de mes enfants pendant plusieurs mois. Quand j'appelle mes enfants là le soir, papa, tu viens quand? Papa, tu viens quand? Papa, tu viens quand? L'école m'appelle. Ah, il y a telle réunion. On dit de loin de. Comment on appelle? Il faut que tu sois là. Je suis habitant. Je me casse la tête au moment, je te dis. Combien de temps? Parce que j'ai encore, comme je ne suis pas habitant, comme tu l'as dit aussi à la diaspora, j'ai mis plus de deux, presque trois ans pour finir cette maison. Et je n'ai personne qui est venu me voir un jour pour me dire, monsieur, tu as tel problème. Il fallait que quelqu'un de diabolique qui m'appelle pour me poser une question. Telle maison là, il paraît que tu allais louer. J'ai dit oui, il me dit jamais. Moi j'ai des enfants, c'est une maison comme ça là. C'est les prostituées, c'est les brouteurs qui vont habiter. Donc ils comptaient sur quelqu'un. Parce que si tu ne comptes pas sur quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que lui et moi, lui, si je peux venir s'il veut pour casser ma maison, il ne peut pas. Il a compté sur quelque chose. Et il savait, il me dit réellement dans les yeux. Malgré ça, je ne voulais même pas la terre. J'ai pris des gens pour dire non, c'est le voisinage. On n'a pas calmé le soir. Moi-même, je vais chez lui. On s'assoit pour calmer le soir. Il me dit que moi, je l'ai dévié devant ses enfants. Et que en Europe, là-bas, là, il y a quoi? Quand je viens en Europe, ici, là, c'est une semaine. Qu'est-ce que nous, on dit Bengis, Bengis. C'est non, comment on appelle? C'est pas du chiffre, c'est pas gardénage. C'est pas boy, c'est pas nounou. Mais quand lui dit en Europe, là, c'est une semaine que lui fait ici. Et moi je vais le défier pour dire que lui, il va casser. Il va me montrer qu'il va casser. Quelqu'un qui a ses documents, je n'ai pas brigadé. Comment quelqu'un peut travailler, fait trois ans de souffrance? Tu as voulu prendre ton argent pour aller le mettre dans un coin et tu sais que tu vas avoir des problèmes. Je suis malade ou quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas la tête. Je compte sur quoi? Je compte sur qui? Et puis je vais faire ça. Bon, attends. Attends. C'est un pays, on dit qu'il y a la justice là-bas, non? Tu es parti porter plainte pour ce qu'ils t'ont fait là au moins? Je suis allé porter plainte. On m'a donné un soir transmis. Que je suis allé donner au, comment on appelle, à la brigade des recherches. Ils ont convoqué ce monsieur en courant, il n'est jamais parti. À l'époque, quand j'étais habité, il n'est pas parti. Moi, j'ai eu un soir transmis. J'ai fait trois jours pour avoir un soir transmis. Mais en courant, quand il a vu le soir transmis, qu'on lui a remis, un après, comment on a fait, 11h, à 14h, le même jour, il a pu avoir un soir transmis, il m'a donné. C'est-à-dire, je comprends pas, moi, je suis tombé de nu. Non, je dis, mon coin saigne. Mais c'est triste. Vous comprenez comme la galère quand tu viens sans papier. À l'époque, comment tu galères? Mon frère. Comment tu galères? Mon frère. Avant d'avoir papier, avant de te remettre, avant de faire des trucs, je t'agent de sueur, je t'agent. Tu prives des enfants de comment on appelle, des colonies. Tu prives des enfants des vacances. Tu dis non, actuellement, je suis malade. Quelle cruauté! Attends, faut arrêter de parler un peu parce que plus tu parles, je sens de l'essoufflement. Faut garder un peu ton souffle. Quelle cruauté, les amis! Il y a une locatrice qui est venue, elle était un peu âgée, c'était la plus âgée des 8 locataires. Qu'elle est venue, le temps qu'on appelle, qu'elle a vu la louer la maison. Elle est venue, elle dit, monsieur Touré, j'ai dit oui. Elle dit, monsieur Touré, j'ai dit oui. Elle dit, ça prouve que moi, ils ont cassé ta maison parce que je suis maudite. Oh. Je suis une femme maudite. Hey. J'ai fait 25 ans de mariage. Je n'ai pas eu de mari. Et je n'ai pas eu d'enfant. 25 ans de mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Le mari est parti, il m'a laissé. Je suis venu me casser ici. Ils sont venus casser mes maisons. Donc, je n'aurais même pas un souvenir de mes parents qui viennent pour partir d'ici. Est-ce qu'on peut faire ça? La pauvre est culpabilisée maintenant. 8 personnes. Mon frère, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je te dis que vraiment, Yako. Je te dis vraiment, Yako. Parce que celui qui n'a jamais acheté terrain pour construire, là, peut-être c'est lui qui ne va pas comprendre ta douleur. Mais tous ceux qui nous suivent sur ce direct ici, qui ont déjà acheté, ne serait-ce qu'un petit parcelle pour construire, une parcelle pour construire, hein, ils vont réaliser la douleur de notre frère ce soir. Donc moi je pense que comme tu as le numéro de Bure Media, on va te rappeler tout à l'heure. On va essayer de mettre en place un programme, un rendez-vous
pour pouvoir vraiment planifier une émission sur Ebure Media. D'accord? On va pas te laisser comme ça. D'accord? Je vais te laisser. Je vais mettre une plage musicale et puis je vais prendre un petit verre d'eau pour boire. Parce que là, je suis vraiment, tu m'as vraiment, le frère m'a vraiment tapé sur le système, ça m'a vraiment tué. Je vous laisse écouter la chanson du président Laurent Gbagbo. Maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Sur manomano.fr, retrouvez des robinets qui mélangent l'eau chaude et l'eau froide, des machins pour que l'eau coule d'en haut comme quand il pleut, et des grands tuyaux qui se plient alors que pourtant ils sont en métal. Allez. C'est terrible. Ça dit que ce témoignage là, c'est Gbagbo, on voit. Gbagbo fait ses trucs et il sera au pouvoir. Avec une situation comme ça, Gbagbo est humé. Il allait réagir. On a quand même d'accord. Vous qui n'aimez pas Gbagbo là, Gbagbo au pouvoir. Et puis on vient avec Caterpillar sans prévenir quelqu'un. Il a fini de construire toutes ses maisons. Il a tout installé, il a fait ses finitions. Jusqu'à il y a locataire dedans. Les locataires sont avec leurs bagages dedans. Ils sont avec leur famille dedans. Il y a électricité, tout. Et puis on ne prévient pas la personne parce qu'un monsieur en face a décidé que lui travaille à la présidence. Il est plus fort que Dieu. Il est à côté de Dieu. Parce que plus il monte de grade, il se sent Dieu. Et lui décide de, avec l'ordre du gouvernement, d'envoyer des caterpillars. Parce que la décision vient d'en haut. Voilà. Les caterpillars arrivent et ils démolissent, hein, 160 millions de sueurs, de souffrances, de privations de quelqu'un. Le monsieur a parlé. Il dit qu'il est malade. Il a une cardiopathie. Ils ont voulu le tuer. Moi, je dis il est fort pour survivre à ça. Hein? Il a survécu. Du coup, il parle aujourd'hui. Moi, mais je suis choqué. Je vais laisser le monarque parler un peu. C'est terrible. Mais on va le rappeler tout à l'heure. J'ai échangé avec lui. Bonsoir, chers compatriotes, peuple africain, je vous salue. On va recevoir dès demain, en fin de journée, je vais dire début de soirée, 19h-20h, ouais. On va faire une émission spéciale avec Monsieur Touré. Le vrai, ok. Avec Monsieur Touré, je vous invite à, dès à présent, vous abonner à la page Ebure Media. Et ça sera diffusé là-bas, sur Ebure Media. Vous verrez aussi sur la page de la Jombrotte. Et on va inviter un certain nombre de citoyens ivoiriens. Si vous avez envie de participer à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler pour qu'on vous mette sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler aussi au téléphone pour interagir. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, pour tout rappel, c'est demain. Demain lundi, c'est ça? Demain, c'est lundi? Demain, c'est lundi. À partir de 20h, on fera le direct avec le frère. Merci beaucoup. Les mots me manquent. Mon direct même là, je peux plus continuer. Cette situation là m'abat. S'il y a quelqu'un qui peut appeler ici pour donner des témoignages similaires, appelez. Ebure Media est là désormais. Ebure Media est là désormais pour essayer d'étaler l'état d'Alassane Dramane Ouattara. Mais comme je ne me sens pas bien, le témoignage du frère m'a vraiment bouleversé. Je préfère arrêter le direct et je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain sur Ebure Media pour la suite. Que Dieu vous bénisse.